bonjour à tous, bonjour chers followers de Marketing TV. Nous sommes ravis de vous recevoir ici au niveau du lycée d'excellence privée de Chaly, un cadre convivial dans lequel on invite les gens à venir visiter et à inscrire leurs enfants massivement. Donc, pour historique, le lycée d'excellence privée de Chaly a été créé en 2019-2020. Avec notamment quelques petits élèves, et cette année, avec la classe de 6e, cette année les classes ont augmenté. Nous avons une classe de 6e, de 5e, de 4e et de seconde. Donc en cela, nous vous montrons ce cadre assez idyllique, assez joli, où il fait bon vivre, un cadre convivial, où, avec des couleurs attrayantes qui donnent envie aux enfants et aux élèves d'étudier. Donc sur ce, nous allons vous faire le tour du propriétaire. Bien avant de continuer, ces couleurs vertes qui symbolisent l'espérance, la verdure. Vous avez des tableaux également, tableaux décoratifs qui agrémentent le cadre. Après cela, nous faisons face à la première salle de 6e, salle qui porte le nom Éponine Dalil Zubey Diaga, une grande dame que tout le monde connaît, de par sa bravoure. Et en cela, nous voulons que les élèves s'inspirent de ce personnage très symbolique pour continuer leur venue. Après cette salle, nous avons la salle Léopold Senna Senghor, qui est la salle décidée du 5e, une classe de 5e qui fait à peu près 14 élèves, dont le cadre est le suivant. Du fait du respect des mesures barrières, nous avons espacé les tables bancs, les fauteuils table bancs en même temps, avec un cadre très sympathique qui permet aux élèves, aux apprenants de bien étudier. Comme son nom l'indique, nous prenons l'excellence. À cet effet, nous mettons les moyens et le cadre convivial pour que les jeunes puissent éclore leur talent. Après cette salle également, nous irons sans doute voir la salle de 4e. Salle de 4e, qui porte le nom éponyme de Abdoulaye Sadji. Abdoulaye Sadji est un grand monsieur également, qui a fait. Dans l'histoire sénégalaise, le Sénégalais est en bas souvent. Et vous avez la salle des 4e, qui comprend 7 élèves, avec le respect des distanciations sociales. Un cadre également alléchant, attrayant, qui permet aux élèves de bien apprendre. Sur ce, nous allons à côté. Nous allons dans la salle de 6e recueillir l'avis de quelques élèves, leur demander sans doute pourquoi ils ont choisi de venir étudier au lycée d'excellence privée de Chaly. En cela, nous allons demander à Seteka de venir nous dire pourquoi elle a choisi d'étudier au lycée d'excellence de Chaly. D'abord, comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Seyna Bouka. J'ai 11 ans. J'habite au Cité des Enseignants. Donc, en cela, Seyna Bouka, pourquoi donc as-tu choisi de venir étudier au lycée d'excellence privé de Chaly? J'ai choisi d'étudier au lycée d'excellence de Chaly parce qu'il y a de l'excellence, de la rigueur et les professeurs sont bien, ils enseignent bien. Merci, c'est le bout. Merci. Donc, après c'est le bout, nous allons demander à Sagar également de venir nous donner son impression par rapport au lycée d'excellence privé de Chaly. Bonjour Sagar Senghor. Bonjour. Je m'appelle Sagar Senghor, j'ai 12 ans. J'habite à Malikouba. Sagar, donc, je tenterai de te poser la même question, te demander pourquoi tu as choisi le lycée d'excellence privé de Chaly. J'ai choisi le lycée d'excellence privé de Chaly parce qu'il y a du travail, de la rigueur, les maîtres sont très bien et il y a du travail. Merci beaucoup, chers élèves. En cela, nous vous souhaitons une très bonne année. Donc, nous allons continuer. Vous voulez parler? Venez parler. Tout le monde veut parler ici. Alors, nous avons failli oublier l'autre élève à la personne de
Je m'appelle Fatkine Diassé. Fatkine Diassé, oui. Fatkine Diassé, oui. Présente-toi brèvement. J'ai 12 ans. J'habite dans le quartier de Sali. J'ai choisi l'école de lycée d'excellence parce que c'est une bonne école qui prend de la rigueur et de l'excellence. Merci Fatoukine Diassé. Et donc en cela, nous vous souhaitons, chers élèves, très bonne année scolaire. Merci. On va continuer le tour pour aller au bureau du proviseur. Donc, nous continuons le bureau. Voilà. Voilà, donc nous voilà dans notre bureau. Nous qui constituons le lieu dans lequel les planifications sont faites, tout ce qui est à rapport aux études, avec mon assistant, M. Angelo Bossa. Voilà, donc, chers parents, le cadre dans lequel nous évoluons, et nous invitons aux autres parents qui travaillent à le faire, à savoir que le lycée d'excellence privé de Salé existe, un cadre convivial qui se prête aux bonnes études avec un suivi très restreint et rigoureux des élèves. Merci de votre attention, tout en espérant que vous viendrez nous rejoindre très bientôt.